Les Rolling Stones avec le titre Start Me Up, sorti en 1980 en single, puis sur l'album Tattoo You. Alors pour jouer ce riff, on va devoir s'accorder en open de sol. Donc en partant de la sixième corde à la première corde, ça nous donne Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré. Si vous connaissez pas ce genre d'accordage en open tuning, je vous conseille d'aller voir le cours dédié à ce sujet sur le site. Vous aurez toutes les sortes d'open, open de sol, open de ré. Donc ça ne vous posera aucun problème pour pouvoir jouer ce morceau ensuite. Voyons un peu les difficultés de ce riff. Alors pour commencer, on part sur un contretemps. On part sur le E du 4 avec un hammer on. Donc je vous montre ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le hammer on, en fait, c'est tout simplement vous plaquez le baril comme ça en cinquième case. Et vous faites le hammer on avec le majeur et l'annulaire. Bien les faire en même temps. Et voilà, on a notre première phrase de Start Me Up. Donc je vous remontre ça. 1, 2, 3, 4. Et la deuxième phrase, elle va faire. On part directement, quoi. Il n'y a pas de silence. Et ensuite, on arrive ici, en troisième case. Et là, on va avoir une rythmique un peu bluesy, quoi, qu'on a l'habitude d'entendre en blues. Entre le début, la première phrase et la deuxième phrase, vous pouvez faire claquer des cordes à vide. Je vous montre ça. 1, 2, 3, 4... Et il y a un truc super important, et c'est peut-être la plus grosse difficulté du morceau, c'est quand on revient sur le début, une fois qu'on a bouclé la boucle, faut bien penser, on arrive sur le contretemps. Faut pas faire... Faut bien partir sur le contre, donc faut faire ça en fait. Donc voilà, vous savez tout sur le morceau. Donc c'est parti, comme d'habitude, métronome et de playback. Salut, c'est Nat, un de tes profs de guitare sur hguitar.com. Tu veux voir ce riff complet et t'entraîner sur le morceau d'accompagnement à plusieurs vitesses? Alors rends-toi sur hguitar.com, l'inscription est gratuite et tu pourras aussi télécharger les partitions et tablatures, et aussi me poser des questions. Allez, à toutes sur hguitar.com.